Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes vendredi 12 juin. Nous allons faire ensemble des rituels de maths. C'est la vidéo numéro 8. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton cahier d'entraînement, ton cahier orange, et de ta fiche de travail numéro 10. C'est l'exercice qui est en bas de la feuille. Si tu n'as pas préparé tout ça, tu mets pause, tu vas chercher ton cahier, ton crayon et la fiche, puis tu reprends la lecture de cette vidéo. Alors, nous avons déjà fait jeudi une séance avec des exercices qui ressemblent. Tu vas encore faire une dictée de nombres en chiffres puis en lettres. Encore t'entraîner à calculer mentalement le plus rapidement possible sans utiliser tes doigts. Tu vas encore essayer de trouver le nombre de cubes dans une figure dans l'espace. Tu vas t'entraîner à compter à rebours. On va encore s'entraîner à placer des nombres sur la droite numérique. Et il y a une nouveauté aujourd'hui, un petit problème pour chercher. Tu verras tout à l'heure ce que c'est. Allez, c'est parti pour la dictée de nombres. Donc, comme jeudi, donc comme hier, tu vas écrire sur ton ardoise les quatre nombres que je vais te dicter. On les corrigera, tu pourras les effacer ensuite. Ou alors, tu écris dans ton cahier orange. Donc, tu écris en chiffres. 29. 79, 12, 93, 93. Allez, nous corrigeons ces premiers nombres. 29, 2 dizaines et 9 unités. Pas de difficulté, la famille du vin, 2 dizaines. 79, j'entends 60 et après j'entends 9, c'est plus petit que 10, c'est donc la famille 7 dizaines. 12, 12, tu sais que c'est en fait le nombre qu'on devrait appeler 10-2, hein, donc une dizaine et 2 unités. 93, j'entends 81, puis ensuite j'entends 13, c'est plus grand que 10, donc c'est 9 dizaines et 3 unités. Allez, si tu es sur l'ardoise, tu effaces, sinon sur le cahier, ben, tu continues. 47, 64, 99, 73. Nous corrigeons. 47, la famille 40, c'est la famille 4 dizaines. 64, j'entends 60 et 4, c'est plus petit que 10, donc c'est 6 dizaines. 99, ben celui-là tu le connais, il te plaît hein, parce qu'il est juste avant 100. 9 dizaines, 9 unités. Et 73, 13 c'est plus grand que 10, donc c'est la famille 7 dizaines. Je suis sûre que tu as fait tout juste, c'est très bien. Allez, c'est parti pour la dictée de nombres en lettres. Alors, nous passons donc à la dictée de nombres en lettres. Premier nombre que tu vas écrire, 56. 56. 56, il te faut deux mots, le mot 50 et le mot 6. Il ne faut pas oublier de séparer les mots par un tiret. Nous corrigeons, si tu n'as pas fini, tu mets pause. 50, il me semble qu'on l'a vu hier, 50. Le S s'écrit avec le C, c'est le N de lapin. Et le AN, c'est le AN de panda. Dans tous les mots nombres, le en, c'est celui de panda, sauf dans 30, où c'est celui de tante. 6, S-I-X. Alors, si tu es sur l'ardoise, tu effaces. Si tu es dans le cahier, tu mets une virgule pour écrire le nombre suivant. 76.
76. Pour écrire 76, il fallait deux mots, le mot 60 et le mot 16. Tu n'oublies pas, bien sûr, de les séparer par un tiret. 60, S-O-I-X-A-N-T-E, n'oublie pas le E, 60. Et 16, c'est le E de Rennes. Et on a dit hier aussi que dans tous les nombres, quand j'entends E, ça s'écrit Z-E. Le nombre suivant, 87. 87. Pour écrire 87, il te faut trois mots. Corrigeons, 4, tu sais l'écrire, c'est le K de phoque, Q-U-A-T-R-E, 20, V-I-N-G-T, il ne faut pas oublier les deux lettres muettes, et 7, S-E-P-T. Nombre suivant, 38. Pour écrire 38, il te faut deux mots, le mot 30 et le mot 8. On n'oublie pas, bien sûr, de séparer les mots par un tiret. 30, c'est le seul mot nombre qui s'écrit avec le en de tante, E-N. 8, est-ce que tu t'es souvenu qu'il y avait un H muet? H-U-I-T. Dernier nombre, tu écris 11. Corrigeons, on, on, the, on a dit, c'est toujours ze. Voilà, si tu n'as pas fait de faute, eh bien je te dis bravo. Si tu as fait quelques fautes, pense à revoir tes leçons, à revoir régulièrement comment s'écrivent les nombres. Alors, nous passons au calcul mental. Tu te souviens, le calcul mental, il faut que tu essayes de calculer le plus rapidement possible, mais sans sortir tes mains. Donc, tu imagines les doigts ou tu imagines les boîtes. Tu te sers des doubles, des amoureux, du passage à la dizaine supérieure. Tu te souviens, c'est ce que l'on a travaillé dans les vidéos calcul mental 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Pour faire ces séries de calculs, soit tu utilises la fiche de travail numéro 10, donc tu as juste à écrire les résultats sur la feuille, soit tu n'as pas pu l'imprimer, donc tu prends ton cahier d'entraînement ou ton ardoise et tu écris juste les résultats. Pas le calcul entier, parce qu'il faut aller vite. Allez, tu es prêt? C'est parti. 8 plus 6. 9 plus 9. 6 plus 4. 2 plus 7. 10 plus 4. 6 plus 5. Allez, nous corrigeons. Eh oui, ça va vite, je fais exprès pour pas que tu aies le temps de compter sur les doigts. Alors, je vais t'expliquer, bien sûr, comment faire pour aller vite. 8 plus 6, tu as deux possibilités. Soit tu fais le passage à la dizaine supérieure. 8, pour aller à 10, il me faut 2. Et 6, comme c'est 2 plus 4, je dois rajouter encore 4. 10 plus 4, 14. Soit tu fais le double 6 plus 6,
Et tu rajoutes 2, puisque 8, c'est 6 plus 2. 6 plus 6, 12, plus 2, 14. 9 plus 9, tu sais que ça fait 18. Si tu ne le sais pas, attention, il faut revoir tes doubles. 6 plus 4, tu sais que c'est les amoureux, donc ça fait 10. 2 plus 7, tu fais dans le sens inverse, 7 plus 2, parce que 7, pour avancer deux fois, c'est rapide. 7, 8, 9. 10 plus 4, eh bien, c'est une dizaine et 4 unités, cela fait donc 14. Et 6 plus 5, alors pareil, deux façons. Soit tu fais 6 pour aller à 10, je prends 4. Et dans 5, si j'ai pris 4, il me reste 1. Donc 10 plus 1, 11. Moi, je préfère faire le presque double, c'est-à-dire que ça ressemble à 5 plus 5. Mais attention, j'ai 6, il faut donc que je rajoute 1. 5 plus 5, 10 plus 1, 11. Allez, c'est parti pour la deuxième série de calculs. 17 plus 6. 38 plus 6. 16 plus 4. 29 plus 4. 45 plus 7. 53 plus 8. Eh oui, hein, ça va vite. T'inquiète pas, hein, si tu n'y arrives pas, bien tu mets pause, tu prends ton temps, tu calcules, et puis au fur et à mesure, tu iras plus vite. Allez, nous corrigeons. 17 plus 6. 17, je vais à la dizaine supérieure, c'est-à-dire 20. Il me faut 3. Donc 17 plus 3, je sais que ça fait 20, parce que 7 est amoureux de 3. Et 6, je sais que c'est 3 plus 3. Comme j'ai pris 3, il faut que je rajoute encore 3. Donc j'étais à 20, 20 plus 3, 23. 17 plus 3, 20, plus 3, 23. 38 plus 6, pareil, je vais passer à la dizaine supérieure, c'est-à-dire après 38, il y aura 40. Pour aller de 38 à 40, il me faut 2, puisque 8 est amoureux de 2. Donc j'ai pris 2 dans 6, il me reste 4, puisque 6, c'est 4 plus 2. Donc je suis à 40, j'ajoute 4, ça fait 44. Pour faire 38 plus 6, je fais 38 plus 2, 40, plus 4, 44. 16 plus 4, eh bien 4 c'est l'amoureux de 6, donc je passe à la dizaine supérieure, c'est-à-dire 20. 29 plus 4, pour passer de 29 à la dizaine supérieure, c'est-à-dire 30, il me faut 1. Et dans 4, si j'ai pris 1, il reste 3. 30 plus 3, 33. Pour faire 29 plus 4, je fais 29 plus 1, 30, plus 3, 33. 45 plus 7, tu as compris, hein, je vais aller à la dizaine supérieure. La dizaine qui est après 45, c'est 50. Donc, il me faut 5. 45 plus 5, 50. Et je dois rajouter encore 2, puisque 7, c'est 5 plus 2. 50 plus 2, ça fait 52. Pour faire 45 plus 7, je fais 45 plus 5, 50, plus 2, 52. Et c'est sûr qu'il faut que je sache que 7, c'est 5 plus 2. 53 plus 8. 53 pour aller à 60, eh bien, il faut 7, puisque 3 est amoureux de 7. Et 8, c'est 7 plus 1. J'ai pris 7, il faut donc que je rajoute encore 1. Je suis arrivée à 60, je rajoute 1, ça fait 61. Alors, dernière série de calculs. Attention, nous allons faire des additions à trous. Tu te souviens? Ici, j'ai 17 plus quoi égale 20? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à 17 pour avoir 20? Hop, tu écris ce qu'il manque. 38 plus quoi égale 40? 16 plus quoi égale 20? 29 plus quoi égale 30? 45 plus quoi égale 60? 53 plus quoi égale 70. Tu as eu le temps de tout faire? Allez, on corrige, mais si tu n'as pas eu le temps, tu peux mettre pause et essayer de le faire en prenant ton temps. Et à force de t'entraîner, tu iras certainement plus vite. Alors, 17 plus quoi égale 20? Eh bien, 20, c'est la dizaine qui est juste après 17.
Donc, je cherche le copain de 7 et je sais que c'est 3. 17 plus 3 égale 20. 38 plus quoi égale 40? 40, c'est la dizaine supérieure. Donc, je cherche l'amoureux de 8, c'est 2. 38 plus 2 égale 40. 16 pour aller à 20. Pareil, je cherche l'amoureux de 6, c'est 4. 16 plus 4 égale 20, puisque 20, c'est la dizaine qui vient juste après 16. 29 plus quoi égale 30? Là, c'est facile. 30, c'est juste après 29. Donc, je dois rajouter 1. Alors là, c'était un peu plus dur. 45 pour aller à 60. Ce n'est pas la dizaine supérieure, puisque après 45, il y a 50. Donc 45 plus 5, ça fait 50. Et pour aller à 60, il faut que je rajoute 10. J'ai rajouté 5 et 10. 10 et 5, c'est-à-dire 15. 53 pour aller à 70, c'est pareil. Ce n'est pas la dizaine supérieure. Après 53, il y a 60. Donc si je rajoute 7, j'arrive à 60. Et il faut que je rajoute encore 10, puisque 60 plus 10, ça fait 70. J'ai rajouté 7 et 10. 10 plus 7, ça fait 17. Voilà, c'est terminé pour le calcul mental. Si tu as fait quelques fautes, c'est pas grave, hein. On continuera de s'entraîner la semaine prochaine. Je continuerai à faire un petit peu des vidéos pour le calcul mental. Tu te souviens de cet exercice? On l'a déjà fait. Alors, il faut que tu comptes le nombre de cubes qu'il y a en tout. Attention, il y a des cubes qu'on ne voit pas. Réfléchis bien, prends ton temps, écris le résultat sur l'ardoise ou sur ton cahier. Allez, on va corriger. Si tu n'as pas fini, tu mets pause, tu continues et puis tu reprends la lecture. Alors, je commence par les cubes que je vois bien. Celui de devant, à gauche, là, en bleu. Derrière le bleu, je vois qu'il y a encore un cube. Je vais mettre la croix rouge. Ici, je vois encore un cube. Il est vert. Je passe à la rangée d'à côté. À côté du bleu, donc encore un cube, je l'ai mis en blanc. À côté du rouge, eh bien le violet. Et ici, derrière le violet, le cube noir. Là, le cube que je mets marron. Au-dessus du marron, le jaune. À côté du marron, le rose. Et derrière le rose, je vois qu'il y a un cube. Je vais le faire en orange. Est-ce que j'ai compté tous les cubes? Et non. Regarde bien. Tu vois bien que le cube vert est en l'air. Donc, il y a un cube sous le cube vert. Un cube qui est derrière le cube rouge. Donc, il est là, hein, sous le vert. Donc, combien ça fait de cubes en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 cubes en tout. Est-ce que tu as réussi à trouver? Allez, on va compter à rebours. Tu te souviens, ça veut dire à l'envers. On part de 99 et on va jusqu'à 70. J'ai oublié d'écrire 70, mais tu vas compter de 99 à 70. Alors, tu essayes de compter soit plus vite que moi et tu écoutes pour voir si tu as fait juste, soit en même temps. C'est parti. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, attention, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, attention, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, et 70. La fusée peut décoller. Alors, nous revoyons la droite numérique, la droite graduée. Tu te souviens, là, tu vois le 0 et le 10. Et entre le 0 et le 10, il y a un trait qui est un peu plus grand. C'est le 5. Parce que tu te souviens, chaque trait vaut 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Alors, du coup, entre 30 et 40, là au milieu, eh bien, on a 35. Entre 40 et 50, on a 45. Entre 50 et 60, on a 55. Je vais te demander de montrer sur l'écran où est situé le nombre 34. Donc, tu montres où est 34. Alors, facile, 34, c'est juste avant 35. Donc, je pars de 35 et je recule. Voilà où est le nombre 34. Alors, nouvelle activité, je t'ai dit tout à l'heure que c'était un problème pour chercher. Alors, c'est quoi un problème pour chercher? C'est un problème que tu ne vas pas pouvoir résoudre en faisant un calcul comme on a appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un problème où il se passe quelque chose, un gain, une perte, ou bien un problème où on compare des collections, ni un problème où il y a des parties et un tout. Non, il va falloir essayer, et puis soit ça marche et tu as trouvé la solution, soit ça ne marche pas et tu essayes encore. On appelle ça un problème pour chercher. Alors, je te le lis. Maman a perdu le code de son cadenas qui compte trois chiffres à aligner. Tu connais les cadenas, tu as déjà utilisé pour fermer une valise ou pour fermer une armoire, un casier. Donc, ce cadenas, il faut trouver trois chiffres. Le code est fait de trois chiffres. On peut mettre les chiffres de 0 à 9 sur chaque roue. Mais elle se souvient que le premier chiffre est plus petit que 4. Le deuxième chiffre est le double du premier. Et le total des chiffres fait 12. Trouve un code pour ouvrir le cadenas. Alors, je vais bien te réexpliquer. Pour trouver le code, il faut trois chiffres. Le premier chiffre, on te dit qu'il est plus petit que 4. Donc, un chiffre plus petit que 4, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Est-ce que ça peut être 4? Et non, parce qu'on te dit plus petit que 4. Donc, 4, ce n'est pas bon. Attention, je ne peux pas le mettre. 5 non plus, hein. Il faut un chiffre plus petit que 4. Le deuxième chiffre, on te dit que c'est le double du premier. Donc, j'ai mon premier chiffre qui est plus petit que 4. Et mon deuxième chiffre, c'est le double du premier. Le double. Donc, si mon premier chiffre, c'est 1, le deuxième, ça sera 2, puisque le double de 1, c'est 2. Si mon premier chiffre, c'est 2, le deuxième, ça sera 4, puisque le double de 2, c'est 4. Tu as compris? Ainsi de suite. Et enfin, pour trouver le troisième chiffre, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si je prends le premier chiffre plus le deuxième chiffre plus le troisième chiffre, ça doit être égal à 12. Donc je vais additionner les deux premiers chiffres et puis je vais voir ce qui manque pour aller jusqu'à 12. Tu as compris? Alors, on va faire un essai ensemble. Si le premier chiffre c'est 1, le deuxième ça sera quoi? Tu te souviens, c'est le double du premier. Donc ça sera 2. Et pour trouver le troisième, je sais que 1 plus 2 plus le dernier chiffre, ça doit faire 12. 1 plus 2, on sait que ça fait 3. Donc 3, combien je dois rajouter pour aller à 12? Eh bien, je dois rajouter 9. Donc j'ai trouvé un code qui marche. Si je mets le 1, le 2 et le 9, ça marche. Alors ça va être à toi de chercher maintenant et de trouver s'il y a un autre code qui peut marcher. Je te laisse mettre pause, tu prends ton temps, tu essayes de trouver un code ou deux codes qui marchent. Ensuite, tu reprends la lecture de la vidéo et nous corrigerons ensemble. Alors, tu as trouvé? Est-ce que tu as essayé avec 2? Si je mets 2, le double de 2, c'est quoi? C'est 4, très bien. 2 plus 4,
Ça fait combien? Ça fait 6. Et 6 pour aller à 12, eh bien, c'est 6. Donc, mon troisième chiffre, c'est 6. J'ai trouvé un deuxième code. Si je mets 2, 4, 6, ça marche. Est-ce que tu en as trouvé un autre? Eh oui, il y en a un autre. Alors, si tu l'as trouvé, eh bien, on va le corriger. Si tu n'as pas trouvé, mets pause et essaye de trouver un autre code. Alors, si on met 3 en premier chiffre, le deuxième, ça sera forcément 6, puisqu'on sait que c'est le double de 3. Le double de 3, c'est 6. Alors, 3 plus 6 plus le troisième chiffre, ça doit faire 12. 3 plus 6, on sait que ça fait 9. 9 pour aller à 12, il faut que je rajoute 3. Donc, j'ai trouvé encore un code qui marche. 3, 6, 3. Est-ce qu'il y a un autre code? Eh bien non, puisque j'ai mis 1, 2 ou 3 en premier. Et je ne peux pas mettre autre chose. Je ne peux pas mettre 4, ni 5, ni 6, puisque le nombre premier doit être inférieur à 4. Donc on a tout trouvé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as très bien travaillé. Je te dis à bientôt.